Bon, bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle Assemblée Générale des cheminots. Avant de laisser la parole aux organisations syndicales, on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé hier. Hier, les cheminots se sont rassemblés, mobilisés massivement, contrairement à ce que dit l'entreprise. Sur ce fait, effectivement, l'entreprise use de mensonges et de mépris envers les cheminots. Use de mensonges quand elle veut absolument que les décomptes de grève soient ceux qu'elle a décidés, alors qu'un jugement des prud'hommes est tombé vendredi et nous est favorable. Sur le sujet du mépris des cheminots, là encore, hier, l'Assemblée Générale a décidé d'interpeller la direction de l'établissement TGV pour lui rappeler que nous sommes en grève, lui rappeler que nous sommes contre cette réforme inutile, lui rappeler que la réglementation s'applique à elle. L'intersyndicale a voulu faire signer un relevé de décision à l'entreprise qui lui permet juste d'acter le respect de la réglementation. Le DRH a refusé. Autre sujet abordé. Ça va être dur, hein. Autre sujet abordé. Les vendeurs seraient soumis à des demandes d'explication. Nous sommes intervenus pour demander le retrait de ces demandes d'explication. Là encore, refus du DRH. Donc, mépris et mensonges aujourd'hui face à des cheminots mobilisés. Sur les principes de déroulement de la journée, on y reviendra tout à l'heure. Je vais laisser la parole, et ça va être difficile pour Alexandre et l'ensemble des organisations syndicales. On va le faire sans micro pour l'instant, à moins que le groupe se mette à refonctionner. Donc je laisse la parole pour la CGT à Alexandre Lou. Désolé Alexandre, on aurait fait avec un micro. Et ils m'ont dit syndiquez-vous. Hein. Alors bonjour à toutes et à tous. La journée d'hier a mobilisé fortement les cheminots de tous les services, confirmant leur détermination à combattre une réforme visant à en finir avec le service public ferroviaire. Mais l'entreprise cherche par tous les moyens à minimiser la mobilisation. Pourtant, le message envoyé par les cheminots est très clair. Nous ne voulons de cette réforme inutile et risquée pour les usagers. Toucher le statut des cheminots reviendrait à briser le socle de notre bien commun qu'est le service public SNCF. La direction, avec le ministre, les rapporteurs Duron et Spinetta, planifient la fermeture de 9000 km de lignes. Si les conditions dans lesquelles ces fermetures ne sont pas celles préconisées dans le rapport Spinetta, ne pas financer les lignes secondaires et laisser les régions décider de leur sort reviendrait à détruire les lignes au quotidien, faute de moyens financiers suffisants. Excusez-moi. Hein. La CGT rappelle les 8 points sur lesquels elle entend négocier. 1. La dette et le financement. 2. La relance du transport de marchandises par fer. 3. Statut de l'entreprise. 4. Organisation de la production. 5. Réinternalisation de la charge de travail. 6. Ouverture à la concurrence. 7. Droits sociaux des cheminots. Et 8. Les garanties sociales. Sur la transférabilité du personnel et le sac à dos social, le gouvernement se veut rassurant avec l'annonce d'un accompagnement des agents dès le lancement de l'appel d'offres et un niveau élevé de garantie sociale. Il entend promouvoir le sac à dos social pour les cheminots. Pourtant, pour ce qui est des garanties issues des accords collectifs, ils ont une durée de vie de 15 mois après dénonciation. Ce délai garanti n'est que de quelques mois pour les engagements et les usages. Pour la CGT, le sac à dos est vide et percé. Rappelons qu'en cas de refus du transfert, la question n'est pas encore tranchée. La SNCF indique qu'elle pourrait faire une proposition de poste, puis à terme, en cas de refus de ces derniers, un licenciement pur et simple, tel que prévu dans les ordonnances Macron. Sur le plan social, l'Assemblée générale du 3 avril a confirmé la proposition de l'intersyndicale CGT UNSA CFDT comme une démarche revendicative lisible permettant aux cheminots de s'inscrire dans un mouvement avec
des répercussions financières limitées. Les cheminots ont validé la proposition d'aller interpeller la direction de l'ESV TGV afin de mettre la direction face à ses responsabilités en lui proposant de signer le relevé de décision visant à respecter la réglementation en matière de droit de grève, de décompte des journées de grève, lui permettant ainsi d'éviter d'être dans l'illégalité. Le DRH a reçu une délégation de l'intersyndicale CGT UNSA CFDT ainsi que Sud, pourtant non signataire de ce relevé. Malgré nos arguments, le DRH suit la volonté de la direction nationale de briser tout dialogue social pour tenter de réduire la portée des actions syndicales. D'autre part, la CGT a porté l'exigence du retrait des demandes d'explication pour les vendeurs ayant réalisé des réservations pour la manifestation du 22 mars. Face au désaccord avec la direction, le DRH a été contraint de venir s'expliquer face aux cheminots dans le hall du 83 boulevard Oyon. Au final, le DRH, droit dans ses bottes, mais le mépris qu'il exprime envers les organisations syndicales et les cheminots se paiera un jour. Si l'entreprise continue sa casse, les cheminots se révolteront. Ils refusent de signer le relevé et refusent d'annuler les demandes d'explication. La délégation CGT lui a rappelé ses responsabilités et son absence de dialogue social, lui indiquant qu'un tel comportement était indigne de sa fonction, puisqu'il ne daigne même pas fournir le nombre de D2I de l'ESV TGV. Bref, entre mensonges et mépris, les cheminots doivent continuer à porter leurs revendications en cessant le travail dans le cadre du deuxième de grève portée par l'intersyndicale. Ainsi, il faudra se mobiliser encore plus largement les 8 et 9 avril prochains, qui fait suite au dépôt du préavis du samedi 7 avril 2018 à 20h, au mardi 10 avril 2018 à 7h55. Ensemble, allons convaincre les cheminots de tous les collèges que seule la mobilisation sera payante. Ensemble, allons convaincre les usagers et les citoyens que d'autres choix sont possibles. Des choix qui prennent en compte leurs besoins fondamentaux en matière de transport du quotidien, qui prennent en compte les enjeux sociaux, environnementaux et qui confirment le transport ferroviaire de marchandises et voyageurs comme notre bien commun. Véritable SNCF, service public que nous défendons à travers ces journées de grève, comme la nouvelle bataille d'un rail que l'on gagnera. C'est bien tous ensemble que nous gagnerons. Il ne faut pas nous précipiter et gâcher nos forces dans une lutte réactionnaire, mais bien en construisant ce mouvement atypique, réfléchi et validé par tous pour porter notre voix durant les 3 prochains mois. La lutte est indispensable, mais la réflexion doit nous permettre de garantir notre cohésion, notre unité syndicale. Tout choix contraire reviendrait à briser la grève et les espoirs des cheminots qui veulent lutter, voire même qui découvrent la lutte, ce qui est mon cas. Oui, les grandes avancées sociales sont toujours nées de grandes mobilisations. Outre les 80 ans de la SNCF, nous souhaitons fêter dignement les 50 ans des événements de mai 68 qui se sont construits dans les entreprises. Merci de votre attention. Pour faire un peu entendre, ça va être un peu plus rapide que le collègue de la CGT. Je pense que vous n'entendez pas grand-chose. L'idée, elle est toujours la même. Elle est de continuer à mobiliser, à rester unis, puisque on entend partout, et notamment dans les différents corps de métiers, qu'on essaye de nous désunir, syndicats ou différents métiers, roulants, sédentaires. Donc nous, il va falloir qu'on soit unis. Il faut qu'on arrive à consolider notre mobilisation et à appeler d'autres secteurs avec nous qui ont aussi des problématiques professionnelles, sociales. Donc moi j'invite à tout le monde à nous rejoindre, que ce soit les usagers, les collègues du secteur privé, les étudiants. Et voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, j'enfoncerai pas mal de portes ouvertes. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Vous savez en gros pourquoi on est là. Donc, et on espère que la lutte va durer le moins longtemps possible, mais avec le plus de manifestants possible, voilà.
Les représentants de la CFDT. Désolé, mais t'es courageux, hein. Alors on est courageux. Ouais. Donc sans porte-voix, c'est difficile. Donc comment dirais-je, j'avais une déclaration sur mon portable, mais j'ai un petit souci de portable, donc on fera comme hier. Donc pour la décla, comment dirais-je, les thèmes abordés par les deux OS nous conviennent évidemment. Pour la CFDT, on reste toujours dans l'action, voilà. Je n'en rajouterai pas, simplement sur les propositions qu'on peut vous faire. Déjà, la première proposition qu'on fait à l'Assemblée Générale, donc l'intersyndicale, fait la proposition qu'à l'issue de l'Assemblée Générale, nous allions défiler, ça va être difficile, nous allions défiler jusqu'à la préfecture où une demande d'audience a été formulée auprès du préfet afin qu'une délégation soit reçue. À l'issue de ce défilé, on vous proposera un barbecue, mais retour au pôle social pour des questions d'intendance. Enfin, on va vous laisser la parole. Et enfin, sur cette question-là, on peut vous proposer d'ores et déjà de voter la proposition du défilé qui est pour... Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y a pas de Sarkozy dans la situation.